Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Antoine, on se retrouve pour un nouveau coup de pouce sur le thé. Donc là ce matin on est en direction des compagnons du devoir. Du coup, juste après cette petite intro, on se retrouve ici, aux compagnons du devoir avec... Tiffaine, j'ai 23 ans, ça fait 4 ans que je suis dans... le métier de peintre en bâtiment, peintre applicateur de vêtements exactement. Et donc je suis en formation chez les compagnons du devoir, qui à alterner entre des cours et l'entreprise, mais plus d'entreprise que de cours. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va faire une des étapes du métier, c'est-à-dire poser de la toile de verre et peindre une première couche de peinture de finition. D'accord, donc plein de choses très intéressantes, les amis, d'habitude, vous allez me voir un peu galérer. Allez, c'est parti. Bon alors les amis, du coup ça y est, je suis en tenue, comme vous pouvez le voir, je suis prêt pour tout ce qui est peinture, voilà, en collage, etc., etc. On va pouvoir commencer par la première étape, on va vous montrer cela. Donc du coup là, on est ici pour la première étape, alors vas-y, dis-nous qu'est-ce qu'on fait là. Donc en amont, j'ai mesuré le mur, pour savoir quelle hauteur on avait de mur. Et ensuite, on rajoute 10 cm de marge pour bien positionner la toile par rapport au haut du mur et bas du mur. En fait, c'est pour pouvoir couper en bas de ton mur et en haut de ton mur correctement et suivre la ligne de ton mur. Parce que les murs ne sont pas forcément droits. Oui. Donc en fait, il faut mieux avoir de la marge pour pouvoir travailler le plus proprement possible, quoi. D'accord. On va faire des laits. D'accord. Je vais couper tous les laits en amont et ensuite on va poser. D'accord. Bon, bah du coup, les amis, on va couper tout ça. Vous allez pouvoir voir ça et puis ben, on se retrouve juste après. On a découpé les bandes de lait pour pouvoir mettre au mur après. Et là, étape très importante, on va poncer toutes les aspérités qu'il y a sur le mur. Vas-y, tu fais des mouvements circulaires. Donc comme ça. Ouais, comme ça. Oui, ok, parfait. Donc du mur, donc on continue la préparation. Alors explique ce que tu es en train de faire. Donc là, je vais tracer mon trait d'aplomb qui va être la base, ma base de départ pour mon premier lait. Donc la largeur du lait, elle est de 1 mètre, donc on va prendre un peu moins pour pouvoir couper à l'angle correctement et qu'on ait un peu de marge et que ce soit le plus propre possible et le plus droit possible. Donc le niveau en question. Qui nous permet d'être bien droit. Donc là, bien évidemment, je me fie au bulle. Donc là du coup les amis, on encolle le mur, on commence un peu comme en peinture d'ailleurs, on commence par faire les angles et puis après il y aura le rouleau pour faire le reste, voilà. Ah ça y est, on a encollé le mur, alors donc maintenant le but ça va être de pouvoir le mettre à l'endroit où il faut. Donc là, du coup, les amis, on met bien en place parce que c'est très important, parce que si c'est pas bien en place après, bah, ça va être très 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 embêtant. Bien faire couler la toile au support. Yes. Donc là, ma roufle, bah... J'ai envie de vous dire, vous connaissez tous un peu ça, parce que... C'est pas celui en plastique. Voilà, et puis surtout qu'en plus, on a vu à plusieurs reprises à la télé comment il fallait maroufler.
Alors, donc du coup, les amis, là, maintenant qu'on a encollé le papier sur le mur et qu'on l'a collé bien, du coup, maintenant, on va découper tout ce qui était en plus. Donc là, les amis, du coup, on est en train de mouiller la toile une fois posée pour enlever tout ce qui est colle, s'il y en a et tout ça, pour qu'elle soit bien propre comme ça. Pour la peinture, il n'y aura plus de colle dessus. Alors là, du coup, les amis, on va encoller le mur, c'est parti. Et donc là, je vais mettre la main à la pâte, je vais encoller le mur, donc l'angle, et puis après le rouleau, etc., etc. Donc là, on va commencer par les angles. Je crois un peu. Ouais. Et tu viens suivre en haut, mais s'il y a de la colle sur le plafond, c'est pas grave. Tombe pas. Non, ça va. Voilà. Donc du coup, les amis, ce qu'on vous a pas dit, mais si on est ici aussi, c'est pour vous montrer bien sûr comment ça se passe. Mais parce que il y a quelque chose de très important qui va se passer très bientôt. Alors, est-ce que tu peux en dire deux, trois mots justement pendant que tu es en train de faire ça? Alors, en fait, on va ouvrir un... Chez les compagnons, on a nos propres centres de formation qui se forment entre nous. Et donc, on va ouvrir un CFA à partir de septembre pour des CAP, donc en peinture, sortie de brevet, enfin poste 3e. Et donc je serai la formatrice et donc ça va être une ouverture de CFA. C'est la première fois qu'on... Enfin, il n'y a pas eu d'autres CFA de peintre avant. Donc il faut que je mette à Cholet. Place, etc. Oui, à Cholet. L'autre CFA présent à côté, c'est à Tours. Donc c'est à 2h d'ici. En fait, on ouvre un CFA pour que des jeunes qui vivent par ici soient pas obligés d'aller jusqu'à Tours. Et donc voilà, donc si vous voulez faire peintre, vous pouvez venir chez les compagnons, on va ouvrir un CFA qui va être tout beau, tout neuf, et je serai donc la formatrice pour vraiment 2 ans. D'accord. Donc le message est passé, les amis. Alors donc, venez ici aux compagnons du devoir pour ce petit CFA en peinture. Alors bon, en plus c'est avantageux puisque du coup il y a une nouvelle formation qui arrive sur Cholet. Bon, alors là du coup, vous voyez les amis, j'ai une bande et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre directement la bande sur le mur. Donc là, on est en train d'encoller le mur. Ok, donc alors du coup, comment tu prends ton... Mets-toi, enfin moi je me mets comme ça, tu vois, je me mets comme ça. Comme ça, tu as bien ton espace. Mm-hmm. Tu prends ta toile comme ça, ouais. Ton bout, puis après tu vas épuiser et tu laisses dérouler le reste. Ouais, d'accord. Pas faux. Alors donc là du coup les amis, je m'occupais de couper le surplus, très important aussi. Donc on va commencer par le haut, je suppose. Oui, donc soit tu utilises le couteau, soit tu utilises la marouf comme tu veux. Du coup les gens, je pense qu'on va vous montrer les deux, on va faire un coup couteau, un coup marouf. On peut faire le... Vous allez voir, voilà. Le haut, le couteau, haut, le bas, la marouf. Voilà, on okay. Va faire ça comme ça. Bon alors là du coup les amis, donc on est en train de couper une bande qu'on avait fait pour pouvoir la mettre dans l'angle juste là. Du coup là t'es en train avec ton cutter, qu'est-ce que tu fais là? Là, il y a une partie du mur qui est abîmée, donc je viens ouvrir les fissures pour enlever, parce que là ici c'est un peu boursouflé du coup, pour pouvoir enlever ce qui est abîmé. Et ensuite, on va appliquer une sous-couche. Et une fois que la sous-couche sera faite, je viendrai réendurer avec de l'enduire boucheur.
souple dans ton geste. Et après, tu viens, j'ai envie de dire, tu viens caresser le support, tu vois. Léger. D'accord. Ok. C'est parti. Hop. Donc du coup, dans ce sens-là, ou peu importe, si t'es gaucher, droitier, peu importe. Ouais. Moi, je suis gaucher. Après, moi, j'ai appris à faire les deux, mais... Donc du coup les amis, vous avez pu voir un peu tout ça. Alors est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on a déjà fait, par rapport à la formation notamment qui va arriver? N'hésitez pas à... Si vous avez peur de vous lancer dans un métier manuel, n'hésitez pas à le faire, faut pas avoir peur de se lancer dans un métier manuel, c'est super. Et encore plus venir chez les compagnons, c'est une vie en communauté. C'est du travail certes, mais c'est une vie en communauté, du partage, de la fraternité, de l'entraide, c'est de l'échange et c'est super cool. C'est un super, c'est une super expérience de vie, vraiment. Donc n'hésitez pas. En tout cas, les amis, on se retrouve dans quelques instants. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Et puis bah du coup, j'ai envie de vous dire surprise pour le prochain invité. Du coup les amis, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, n'hésitez pas à la partager. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les notifications. Abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.